Maxime Quentin, bonjour. Vous êtes les organisateurs de la 41e Endurance Solex. Alors, on est tous les deux de la 55e promotion de l'ENI. Donc c'est la, traditionnellement la deuxième année de l'ENI qui organise cet événement. Et cette année, c'était à notre tour. Et on a eu de la chance parce qu'on est en plein soleil là. Donc ça marche très bien. Une petite déception par rapport au nombre d'engagés. On a été un peu déçus pour ça, ouais. Ils étaient annoncés une grosse vingtaine. Ils sont arrivés une petite quinzaine, mais bon, c'est pas grave, ça empêche que ça marche. Beaucoup de travail. Et derrière, il y a vraiment... on est 10 purement à organiser le projet. Et derrière, on est une petite centaine, toute la promotion, à travailler sur la course. Toujours des problèmes de réglage après une manche. Là, on s'est arrêté parce qu'on mange beaucoup de pneus vu la puissance du moteur. Alors, entre deux épreuves, il y a beaucoup de travail. Il faut changer les pneus. Oui. Donc, on fait un pneu à l'heure à peu près. Et après, on rajoute 5 à 6 litres d'essence. Des fois, on retouche un peu la carburation, on regarde la bougie et voilà, on refait le plein. Voilà. C'est des machines qui sont quand même... Ah, c'est des machines qui prennent 14 000 tours minutes en charge.